qui manque d'audace et de décision. Non, mais on n'est pas obligé de trop s'exprimer en public non plus. C'est pas parce que certains le font, ont l'aisance pour le faire. Bon, ici, là, je fais un live. Ça veut pas dire que lorsque je coupe le live, je continue de parler comme ça non plus, quoi. Les timides rêvaient de monter sur les planches, je l'ai fait. Ouais, je fais beaucoup mieux que ceux qui se produisent sur les planches. Je le fais quand je veux et tous les jours. Donc, un exercice quotidien, quelque chose que d'autres ne font pas. Si donc tu es comédien ou tu veux passer sur les planches, tu t'exerces de temps en temps. Tu as donc un training qui te prend quelques mois dans l'année. Perso, ça fait 4 ans que je diffuse tous les jours, plusieurs fois par jour. Mais c'est différent, donc on n'est pas avec un personnage. C'est hybride. Si je peux me permettre, et je me permets directement, c'est hybride. On n'est pas sur un jeu d'acteur. Est-ce qu'on a véritablement un personnage ou pas du tout? Il y a un petit peu dans ce goût-là, quelque chose qui se prononce, une forme de... un exercice, une façon de dire les choses. Comme un amoureux timide. Bon, merci de nous retrouver. On passe de la pluie qui tombe à une pluie qui tombe plus. Timide, c'est mignon. Ouais, mais c'est mignon, ça va 5 minutes. Comme dans un film, c'est mignon. Après, tu veux qu'il y ait deux timides qui s'embrassent, c'est mignon. Mais ça va 5 minutes, c'est mignon. Après, ça va pas être mignon quand il va être question de se vendre, de vendre quelque chose, d'aboutir à un projet, par exemple. Après, côté projet, ça fait beau, côté business, ça plaît pas à tout le monde. Est-ce qu'on peut s'affranchir? Est-ce qu'on peut relever le niveau? Est-ce qu'on peut montrer une différence en étant timide? Quand tout le monde est mou et quand tout le monde est réservé, est-ce qu'on peut proposer une différence quand on fait pareil que tout le monde, avec une timidité qui se reproduit à vitesse... Tiens, tu t'es reproduit. Il est timide, le petit, comme toi, il est timide. Méfie-toi des timides, ouais. Les plus grands timides qui ont fait de très grandes choses. Bah, je me méfie des timides. Qui vous dit que je ne suis pas timide? Je suis pas en train de me moquer. Mais le côté mignon, moi, ça me plaît pas. C'est comme la bienveillance, ça me plaît pas. Mignon, bienveillance. A-t-on manqué beaucoup de la visite du musée? Richie, c'était une surchauffe de mon téléphone. Tu vas pas louper grand-chose parce que j'ai fait une vidéo que je n'ai pas encore positionnée, mais tu verras toute la vidéo. Donc tu as manqué 5 minutes, même pas 4 minutes. Mais je vais tout positionner dans la vidéo. Non, timide, ça passe, mais mignon, on est tous timides. Non, mais timide, ça veut dire quoi, timide? Réservé. Je suis réservé. Suis-je timide pour autant? Je peux pas vous dire trop de choses sur moi. Suis-je timide? Qui est-ce qui a commencé à parler de ça? C'est Eric quand il est arrivé. Bon, allez, on est dans l'accompagnement. On est en perte de cerveau, là. Vous savez, hein, qui a dit il y a quelques années de ça qu'on était avec une zone disponible dans votre cerveau pour y placer de la pub. Et de plus en plus, on va donc venir retrouver dans le cerveau de certains, puisque vous n'allez pas perdre votre cerveau. Et ceux qui ont perdu le leur en gardent une partie. Vous avez donc de plus en plus des technologies qui vont permettre, qui permettent déjà, mais beaucoup plus, de plus en plus, de venir vous retrouver dans votre cerveau pour y placer encore de la pub. Avec même notamment donc de nouveaux appareils comme le casque qui est donc testé encore, testé un peu Jean-Paul, le casque dans la section Built 8 chez Facebook qui va vous permettre de penser au lieu de parler, même de d'écrire. Donc on va vous permettre de vous placer donc des réflexions, des messages dans votre cerveau. Parce que ça va dans les deux sens. Si vous pouvez par la suite, même déjà pour celle, la personne qui, l'équipe chez Facebook qui teste, qui l'utilise, si on peut déjà communiquer avec le cerveau, on peut envoyer de l'information à partir du casque, à partir de son cerveau, et on peut également en récupérer dans son cerveau. Et à partir du moment où on peut déjà le faire, donc on est parti chez Facebook notamment sur cette possibilité de vous envoyer dans la tête des informations. Un peu comme des lunettes de réalité augmentée sur lesquelles vous allez pouvoir avoir de l'info du coin de l'œil. Avec non pas des liens à cliquer, mais du texte que vous allez pouvoir consulter, de la pub, ce genre de choses.
Tiens, je vais faire un petit temps fort.